Notre choix s'est porté sur un chargeur solaire intelligent car nous souhaitons développer l'utilisation d'une ressource renouvelable pour la survie de notre planète. Cet objet est en effet destiné à transformer l'énergie solaire récupérée par un capteur photovoltaïque en énergie chimique et électrique. Nous avons assemblé les composants électroniques sur un support réalisé avec l'impression 3D. En connectant les composants à la carte Arduino, nous avons pu traiter le signal analogique et comprendre et reconstruire la chaîne d'information. Donc là, on est en train de caractériser le panneau, la cellule photovoltaïque, donc la tension et l'intensité, pour comprendre plus précisément comment notre panneau solaire fonctionne. Ensuite, j'ai aussi fait de la programmation, donc on a essayé de comprendre comment téléverser un code Arduino. On est en train d'en reconstruire un nouveau sur M-Block pour faire une alternative. Nous avons la chance d'avoir un labo 3D à l'école où nous avons appris à utiliser Blender et à faire une petite animation. Donc si, avec, si je mets mon main, il voit qu'il y a la plus, elle est à moi. Ah oui. Il va sur un thème vert. La lumière. Oui, il y a le maximum de lumière.